Revenons maintenant au principal problème de cette matinée, hein, qui est de trouver des formules qui nous permettent d'exprimer les matrices d'application linéaire dans des bases différentes. Donc j'ai juste refixé le contexte. On a un espace vectoriel E que l'on peut munir d'une base E d'une base E', l'espace vectoriel F que l'on munit d'une base F d'une base F'. Et on se pose la question de trouver des liens existants entre deux matrices. La première matrice, c'est la matrice, il y en a qui est content là, de la base E vers la base F, et la base A', qui est la matrice de passage de la base E' vers la base F'. Donc la question qui se pose, c'est existe-t-il des liens entre ces deux matrices? Eh bien, on va voir que ça, c'est pas difficile du tout. Alors, par contre, il nous faut un stylo, hein, de deux couleurs au moins. Donc, je vais dire que mon application linéaire A, elle est définie de l'espace E vers l'espace F, et je vais supposer que, pour cette application en bleu, je vais choisir comme base la base E et la base F, premièrement. Et je vais écrire maintenant la matrice qui va me permettre, enfin l'application linéaire qui me permet de passer de E, mais muni de la base E', dans F, mais muni de la base F'. Alors évidemment, ces deux applications-là, elles sont rigoureusement identiques. Celle-là à x, elle associe à du x, et celle-là à x, elle associe à du x. Bien entendu, c'est la même application. La seule différence, c'est que les vecteurs seront exprimés différemment dans des bases différentes. C'est-à-dire que les coordonnées de x dans la base e, ce n'est pas les coordonnées de x dans la base e'. Mais c'est toujours l'application qui, à un vecteur, associe son image par l'application. Alors maintenant, l'objectif, ça serait de faire les liens entre les deux. Est-ce que je sais, par exemple, exprimer l'application en bleu? Est-ce que je peux l'exprimer avec l'application en rouge? Ça va être la question. Comment je peux relier ces deux objets? Eh bien, je vais simplement dire que je peux utiliser un autre chemin. Quand je veux calculer ici l'image de x par l'application A, je peux utiliser un autre chemin, c'est déjà de m'envoyer sur cet espace. Donc en conservant x, évidemment, enfin, je vais toujours m'envoyer avec x, appliquer la fonction a qui est ici, puis revenir là, et là à a de x, je vais évidemment continuer à associer a de x. Donc c'est-à-dire que l'application qui descend ne change rien sur le vecteur, change juste ce qui se passe pour la base, et l'application qui remonte ne change rien pour le vecteur, elle affecte juste le changement de base. Bah, j'ai pas le choix sur les applications qui vont être ici. Si je veux rien changer au niveau du vecteur, je suis obligé de prendre l'application identité de E qui a x associe x. Et là, je dois prendre l'application identité de F qui a a de x associe a de x. Donc attention au sens dans lequel on va considérer les applications. Donc la première ici, ça va être l'identité de F que je compose ensuite avec l'application A rouge, que je compose ensuite avec l'identité de l'espace vectoriel E. Donc là, on voit bien que la première fonction qu'on applique, c'est l'identité de E, puis l'application A, puis l'identité de F. Donc cette relation, elle est parfaitement vérifiée. Il suffit de regarder le diagramme qui est là, qui concentre toutes les informations. Bon, eh ben, je crois que c'est fini. Pourquoi? Si je considère maintenant les matrices. Mais attention, les matrices en respectant les bases qu'on a ici. Donc la matrice bleue, c'est la matrice de l'application A bleue ici, quand je prends comme base E et F. Or, on sait que la matrice d'une composée, c'est le produit des matrices qui la composent. Donc là, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer ici la matrice de l'application identité de F. Attention, dans quelle base? L'identité de F va de cet espace dans cet espace. Donc la base au départ, c'est la base F'. La base qui est à l'arrivée, c'est la base F. Suit ensuite la matrice de l'application A. La matrice de l'application A avec comme base au départ la base prime et comme base à l'arrivée la base prime. Mais c'est l'application. Puis termine avec l'identité de E. Donc là, je vais récupérer la matrice de l'identité de E.
Identité 2, avec quoi comme base au départ? La base ronde et comme base à l'arrivée, la base ronde prime. Si maintenant je regarde ce que j'ai obtenu comme relation, la matrice qui est là, c'est la matrice A. Donc on a déjà la matrice A. La matrice qui est ici, c'est une matrice de passage. Attention au changement d'ordre quand on passe à la matrice de passage. Ici, c'est la matrice de passage de la base F vers la base F'. La matrice en rouge, c'est la matrice A', la matrice dans les bases primes. Et enfin, on termine par une matrice de passage. La matrice de passage, attention au changement d'ordre, de la base E' vers la base E. Vous avez vu, il y a un petit moyen mnémotechnique pour voir si on ne s'est pas trompé. Bon, déjà, on fait le graphique, hein, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Et les primes vont avec les primes. On a obtenu une formule qui nous permet de passer de la base prime aux bases simples, de la base simple aux bases primes. Puisqu'effectivement, cette formule que je viens de démontrer ici, qui me permet d'exprimer A en fonction de A', cette formule, elle est entièrement réversible. Comment je vais faire pour exprimer A' en fonction de A si ça m'intéresse? Bah, pour me débarrasser de cette matrice-là, je dois la multiplier par son inverse. L'inverse de cette matrice-là, je la connais, c'est la matrice de passage de la base F' à la base F. Donc si je fais ce produit-là, je vais déjà récupérer cette information. Puis pour me débarrasser de cette base-là, je vais multiplier par son inverse. Son inverse, c'est la matrice de passage de E vers E'. Donc on voit que la formule qui nous a permis de relier A et A' est réversible puisque les matrices de passage sont inversibles. Et on sait exactement quelles sont les inverses de ces matrices de passage. Et on voit que les formules sont cohérentes. Les 100 primes entre eux, les primes entre eux, on a bien deux matrices de changement de base qui permettent de passer de l'une à l'autre ou de l'autre à l'une. Alors, c'est l'objet du théorème numéro 21 que je ne vais pas discuter plus. Je vais simplement écrire son énoncé et qui est simplement la traduction de la démonstration qu'on vient de faire. Donc voilà le théorème 21. Rappelez-vous simplement que les primes sont avec les primes, ils se suivent, et les non-primes se retrouvent à l'extérieur. Et ici, c'est la même chose. Les non-primes sont consécutifs et les autres sont à l'extérieur. Donc on ne peut pas se tromper dans la formule, mais encore une fois, je vous dis, si vous avez le moindre espèce de doute, vous écrivez le diagramme qui est ici, les compositions qui leur sont associées, et les formules de changement de base tomberont directement. Alors on va tout de suite citer et démontrer dans la foulée le théorème numéro 22, qui est la deuxième question, la réponse à la deuxième question que l'on s'était posée. Si je suis dans un espace vectoriel de dimension P qui est muni de deux bases E et E', et si je me donne un vecteur quelconque de E, quel est le lien entre les coordonnées de x dans la base E et les coordonnées de x dans la base E'? On peut poser la question matriciellement, et on va d'ailleurs apporter une réponse matricielle. C'est en prenant la matrice des coordonnées de x dans la base E, une matrice colonne qui contient les coordonnées de x dans la base, et les coordonnées et la matrice x' des coordonnées de x dans la base E'. C'est-à-dire, si j'écris les choses un peu plus formellement, si j'appelle petit x1, petit xp les coordonnées de x dans la base E et petit x', petit xp' les coordonnées de x dans la base E', ça signifie que petit x est égal à x1 e1 plus x2 e2 plus xp ep et que petit x va s'écrire x1' e1', etc. jusqu'à xp' ep'. Donc là, voilà les différentes coordonnées. J'écris les choses aussi bien dans les égalités d'espace vectoriel que dans les relations matricielles. Donc, voilà les coordonnées du vecteur x dans la base e1, e2, ep. Et voici les coordonnées du vecteur x dans la base avec les primes. Donc, on sait qu'a priori, les coordonnées ne sont pas les mêmes.
Ça, on l'a déjà vu sur des tas d'exemples. L'objectif du théorème 22 est de faire le lien entre ces coordonnées et donc le lien entre ces deux matrices, puisque si j'arrive à faire le lien entre les matrices, j'ai évidemment le lien entre les coordonnées. Eh bien, ce lien est aussi simple qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire qu'on va utiliser une matrice de passage pour passer de l'un à l'autre. Pour passer du premier au deuxième, il suffit de multiplier par la matrice de passage de... Alors, ouais, je me suis trompé de passe, c'est E ici. C'est pas DB. Alors là, du coup, c'est horriblement laid. Donc, le petit coup de blanco et le temps qu'il faut pour que ça sèche. Le temps qu'il faut pour que ça sèche, ben, ça va être de donner la deuxième relation en espérant ne pas me tromper. Donc là, je vais récupérer la matrice de passage de la base E vers la base E' multipliée par la matrice X'. Donc là, on voit encore que les primes vont être entre eux, les primes vont être entre eux, et les non-primes vont être entre eux. Alors vous allez me dire, ouais, mais déjà, pourquoi diable, c'est pas une formule avec une matrice de passage à droite et à gauche? Bah, c'est normal, puisque là, vous avez la matrice d'un vecteur. Ça n'aurait pas de sens de multiplier cette matrice par une matrice à gauche. La matrice, elle n'aurait pas le bon gabarit pour pouvoir effectuer le produit matriciel. Donc, soyez quand même vigilants sur les formules. Quand on parle de vecteur, bah, y a juste la multiplication par une matrice de passage. Et quand on parle d'application linéaire, il y a une multiplication, comme on l'a vu, à droite et à gauche. Et évidemment, le contexte n'étant pas le même, les formules elles vont être différentes. Alors là, en plus, la démonstration, elle est vraiment très très simple. Elle est simplement la copie d'une démonstration qu'on a faite précédemment. Donc là, attention, la base avec les primes, la base sans les primes. Donc la démonstration. La démonstration, elle est basée sur le rappel suivant. Alors que je vais faire en direct. Donc, rappel. Rappel, c'est quand on avait une application linéaire A définie sur E, munie d'une base que je vais appeler ici E ronde, à valeur dans l'espace vectoriel F muni d'une base F ronde. Rappelez-vous, on avait vu que la matrice du vecteur A du X, donc un vecteur de F, donc dans la base F ronde, c'était la matrice de l'application A dans la base E ronde F ronde multipliée par la matrice du vecteur X dans la base de départ, la base E. Donc on avait cette formule-là. Alors, moi j'ai l'impression que cette formule-là, elle donne la réponse à la question. Sauf que, au lieu de travailler avec l'application A, on va travailler avec l'application identité de E. Alors l'application identité de E, le E de départ, je peux le munir de la base E ronde, et le E à l'arrivée, je peux la munir de la base E ronde prime. Donc je considère cette fonction-là. Cette fonction, on sait qu'à x, elle associe le vecteur x. Donc, quand je regarde, par exemple, x', par exemple. Le vecteur x', c'est la matrice du vecteur x dans la base prime. Sauf que le vecteur x, je peux le voir comme l'identité de E de x, exprimé dans la base prime, c'est-à-dire l'image de ce vecteur-là dans la base prime. En utilisant le rappel que j'ai fait ici, ça va être quoi? Ça va être la matrice de l'application identité de E qui est ici, multipliée par la matrice du vecteur X, mais attention, le vecteur X là, au départ. Donc le vecteur X ici est exprimé dans la base E, et cette identité, elle est exprimée dans la base E et E'. Donc, on vient de montrer que la matrice X', c'est le produit de ces deux matrices-là. Alors, est-ce que ça colle? Alors, oui, ça colle, puisqu'on sait que quand on passe la matrice de l'identité aux matrices de passage, il faut échanger l'ordre des bases. Donc ça, c'est la matrice de passage de E' vers E, et ça, c'est la matrice X. Alors, on vient déjà d'établir l'une des deux formules. Pour avoir l'autre, il suffit de multiplier par l'inverse de cette matrice-là. Or, l'inverse de cette matrice-là, c'est la matrice de passage de la base E vers la base E'. Donc si je multiplie chaque membre par cette matrice de passage, ici je vais récupérer cette expression, et là je vais récupérer la matrice identité fois X, c'est-à-dire X. Ah, ça y est, c'est déjà fini. On vient d'établir les deux formules qui nous permettent de transformer
la matrice d'un vecteur dans une base donnée en fonction de la matrice de ce même vecteur, mais dans une autre base. Alors, ce qui serait intéressant, ça serait de regarder ce qui se passe maintenant dans le cadre le plus commun finalement des exercices qu'on rencontre, c'est les transformations d'un espace vectoriel sur ce même espace vectoriel, ce qu'on avait appelé les endomorphismes de E. Alors, est-ce que ces formules-là, évidemment, les formules qu'on vient d'établir, on peut les écrire pour les endomorphismes, hein, puisqu'un endomorphisme, c'est une application linéaire définie sur E à valeur dans E. Donc, bien entendu, tout ce qu'on a dit avant fonctionne avec les endomorphismes. Mais la question qui se pose, c'est, est-ce que les formules qu'on va obtenir ne vont pas être encore plus sympathiques, en prenant évidemment en compte le fait qu'un endomorphisme, eh bien, il y a juste une base pour l'espace E au départ et à l'arrivée. Qu'est-ce qui se passe quand je change cette base au départ et à l'arrivée? Quel genre de formule on va récupérer? Et là, on va voir qu'on va avoir des formules qui sont vraiment super sympathiques. Donc, si on pose le problème pour un endomorphisme, on va se donner E un cas espace vectoriel de dimension P et deux bases, E ronde et E' ronde de l'espace vectoriel E. Donc là, il s'agit de faire le lien entre quoi et quoi? Alors, entre la matrice de A dans la base E ronde et la matrice A' de A dans la base E ronde prime. Donc la question, c'est quels sont les liens entre ces deux matrices? Alors, on sait qu'ils existent et on sait les formaliser. D'ailleurs, je pourrais me contenter d'appliquer directement la formule qu'on a récupérée précédemment. Bien entendu, c'est cette formule qu'on a établie précédemment, elle va marcher ici évidemment sans l'ombre d'un doute. Mais histoire que vous compreniez bien les diagrammes qu'on a mis en place, je vais refaire le raisonnement. Déjà, l'application qui est là, cette application-là, c'est un endomorphisme de E. Donc, c'est une application qui est définie sur E à valeur dans E. Là, je vais la munir E de la base E ronde au départ et à l'arrivée, puisque je parle d'un endomorphisme de E. Par opposition à ça, je vais considérer cette même application. Hein, je vous rappelle que c'est une application qui est définie sur E à valeur dans E. À ceci près qu'ici, je vais munir l'espace E de la base E'. Et je m'interroge entre les liens entre la matrice de cette application et la matrice de cette application. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais simplement regarder comment je peux passer de x à x dans cette direction-là en échangeant le sens de la direction. Alors là, on va composer par deux identités de E. Alors là, je vais utiliser deux couleurs différentes parce qu'il va falloir faire la différence entre l'identité qui est ici et l'identité qui est là. Alors évidemment, tout à l'heure, ce n'était pas la peine, puisque les espaces vectoriels étaient différents ici et ici, alors que là, c'est les mêmes espaces vectoriels. Donc, il faut suivre le truc proprement. Donc, l'application à bleu, je peux l'écrire comment? Je peux l'écrire déjà comme l'identité de E noir, rond l'application A, rond l'identité de E verte. Effectivement, si vous observez le contexte, vous avez bien ici, quand j'applique A à X et que je m'envoie là, je peux choisir un autre chemin, déjà appliquer l'application bleue, puis l'application rouge, puis l'application noire. Donc on a bien ce diagramme-là, je peux bien le symboliser par cette composition entre des applications linéaires. Du coup, si je regarde la matrice de cette application, donc ça va me donner la matrice dans la base E ronde de A. Ça va être égal à quoi? Bien, ça va être égal à la matrice de l'identité qui est ici, puisque je sais que quand je compose des applications linéaires, ça revient à multiplier les matrices des applications linéaires qui la composent. Donc là, l'identité de E, la flèche va dans ce sens-là. Donc c'est la matrice de l'identité de la base de départ E ronde prime sur E ronde. La matrice qui suit, c'est la matrice de l'endomorphisme A dans la base E ronde prime. Et la petite dernière, c'est la matrice de l'application identité de E prise dans, attention, la base au départ c'est E ronde et la base d'arrivée c'est E ronde prime. Si maintenant je donne les différents noms à mes matrices, là j'ai la matrice A, ici, eh bien c'est une matrice de passage. Attention à l'interversion quand on passe de la matrice de l'identité à la matrice de passage.
c'est la matrice de passage de E ronde vers E ronde prime, multipliée par la matrice A prime, et multipliée par la matrice de passage de la base, attention à l'interversion, E ronde prime vers E ronde. On vient d'établir une magnifique formule de changement de base. Et on voit effectivement que quand on travaille avec des endomorphismes, les deux matrices qui sont ici vont être liées entre elles. Elles sont en fait l'inverse l'une de l'autre. Donc si je veux écrire maintenant une expression qui me permette d'exprimer la matrice A' en fonction de la matrice A, qu'est-ce qu'on va récupérer ? Ben je vais respecter le code couleur. Pour me débarrasser de la matrice qui est ici, il faut que je multiplie de ce côté-là par la matrice inverse. Donc là, je vais récupérer la matrice de E ronde vers E' ronde. Et pour me débarrasser de cette matrice-là, je dois multiplier par sa matrice inverse, qui est la matrice de E' vers E. Et voilà la matrice de passage qui me permet d'aller dans l'autre sens. Donc effectivement, vous constatez que c'est juste les formules qu'on a obtenues, obtenues simplement en remplaçant les différentes bases considérées. Donc là, on remplace en l'occurrence la matrice F par E ronde et la matrice F' par E ronde prime. Et on obtient exactement les formules qui sont ici, mais je tenais à ce qu'on refasse le raisonnement au moins une fois ensemble. Et donc, on récupère un fait intéressant, c'est que si, par exemple, je choisis d'appeler P la matrice de passage de la base E vers la base E', on constate que la matrice P-1 est la matrice de passage de la base E' vers la base E. Ce qui veut donc dire que les relations qu'on va récupérer, elles vont être de la forme A va être égal à P A' P-1 ou A' va être égal à P-1, pardon, A' va être égal à P-1 A P. On récupère que les matrices de passage qui sont à droite et à gauche sont en fait donc des matrices qui sont inverses l'une de l'autre. On verra ça plus tard, de matrices semblables. Bon, bah, vous avez vu en plus que les règles qu'on avait vues sont respectées, mais ça on le savait. Les primes avec les primes, les non-primes avec les non-primes. Donc on voit que ces formules-là sont très faciles à retenir et au pire, on fera notre petit diagramme. Vous avez évidemment vu au passage que ceci est ni plus ni moins que l'énoncé du théorème numéro 23. C'est-à-dire que dans le contexte que j'ai décrit ici, les matrices de passage de l'une à l'autre nous donnent les formules. Alors il n'y aura pas évidemment de formule pour la matrice d'un vecteur, puisque la matrice d'un vecteur, ça dépend juste de l'espace vectoriel dans lequel on se place. Donc là, les formules qu'on a établies, les deux relations qu'on a établies pour le théorème 22, bah, c'est évidemment exactement les mêmes, hein, puisque là, quand on travaille avec un vecteur, on travaille juste dans un espace vectoriel. Alors, on va passer maintenant à la mise en place de toutes ces formules-là dans des exercices particuliers. Alors, considérons A, l'endomorphisme de R2, canoniquement associé à cette matrice. On pose C, la base canonique de R2, et on se donne deux vecteurs de R2, epsilon 1 et epsilon 2. Alors, on regarde l'exercice dans sa totalité. La première chose, c'est de montrer que la famille formée de ces deux vecteurs est une base de R2, puis de calculer la matrice dans cette base et de calculer les coordonnées du vecteur V dans cette base. Donc, on va voir justement en action toutes les formules de changement de base. Alors déjà, le fait que cette famille est une base de R2, alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quasiment oralement, même oralement. Le nombre de vecteurs de la famille E ronde, c'est 2, et ça, c'est la dimension de R2. Donc, pour montrer que cette famille est une base, il suffit de démontrer que cette famille est une famille libre. Or, on voit que les deux vecteurs qui sont ici sont non proportionnels. Donc, epsilon 1 et epsilon 2 sont non collinéaires, si vous préférez. Donc, a priori, on vient bien de justifier que, ayant le pont cardinal et étant libre, cette famille, c'est bien une base de l'espace vectoriel R2. Deuxième question. On nous demande d'exprimer la matrice de l'endomorphisme A dans la base considérée. Alors là, on peut utiliser nos formules de changement de base, puisque la matrice qui est là,
c'est la matrice dans la base canonique de l'application petit a, c'est-à-dire la matrice 2, 1, 1, 2. Et nous, ce qu'on veut, c'est trouver la matrice de l'application petit a, mais plus dans la base canonique, dans la base ronde. Donc là, on va utiliser nos formules de changement de base. La matrice de passage de E ronde vers C, fois la matrice dans la base canonique, fois la matrice de passage de C vers E ronde. Voilà la matrice, voilà la formule de changement de base qu'on observe ici. Donc pour ça, il suffit de calculer les matrices de passage. La matrice de passage qu'on sait bien calculer, c'est cette matrice-là. Celle-là, elle est directement donnée par l'énoncé. Puisque la matrice de passage de la base C vers la base E ronde, par définition, ce sont simplement les coordonnées des vecteurs de E ronde qu'on exprime dans la base canonique. Donc c'est la matrice 1, 1, moins 1, 2. Cette matrice est une matrice inversible. Et la matrice inverse, c'est la matrice de passage de la base E ronde vers la base C. On sait inverser une matrice de 2, on a rappelé la formule tout à l'heure. Donc il faut déjà calculer le déterminant. Donc le déterminant, c'est 1 fois 2 ici, moins le produit de ces deux termes-là. Donc le déterminant, c'est 3. Donc cette matrice de passage, c'est 1 tiers multiplié par... Alors attention, on permute ces deux termes-là de 1 et on change le signe des termes qui sont ici, moins 1, 1. Vous pouvez vérifier que quand vous faites le produit par cette colonne, vous obtenez 3 multiplié par 1 tiers, ça fait bien 1. Le produit de cette ligne par cette colonne, ça fait 2, enfin moins 2 plus 2, ça fait 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et pour le petit dernier, ça fait 1 plus 2, 3. Divisé par 3, ça fait bien 1. On obtient bien l'identité. Donc voilà les deux matrices de passage. Moralité, la matrice que l'on cherche, cette matrice-là, c'est donc le produit simplement de 3 matrices. Donc la matrice de passage qui est là, donc le 1 tiers on peut le mettre en facteur, puisque le scalaire on peut le mettre où on veut, et on va multiplier respectivement la matrice de 1, cette matrice là, par la matrice A, et enfin par la matrice de passage qui est ici. Et à la fin de ce produit matriciel, on aura récupéré la fameuse matrice de la base, la matrice de l'endomorphisme, mais dans la base E ronde. Tout calcul fait, on récupère que cette matrice, c'est la matrice dont les coordonnées sont 3, 0, 1, 1. Donc on voit bien que la matrice dans la base canonique et la matrice dans la nouvelle base ne sont pas les mêmes. On peut noter que la matrice dans cette base-là est un peu plus sympathique, puisqu'elle est triangulaire. Elle est un tout petit peu plus sympathique. Donc voilà un énoncé possible. On vous donne une application, on vous donne une base, on vous dit de calculer la matrice dans cette base, on s'exécute par un changement de base, on calcule la matrice de passage, on calcule son inverse, on fait le produit matriciel, on a la matrice dans la nouvelle base. Donc on peut passer maintenant à la question 3, où il est question de calculer les nouvelles coordonnées, les coordonnées de notre vecteur V dans la nouvelle base. Alors nous, ce qu'on nous dit, c'est que les coordonnées de V, c'est 3, moins 2. Ça nous permet de dire que la matrice grand V, la matrice dans la base canonique de l'application petit b, c'est donc la matrice dont les coordonnées sont moins 3, moins 2. Là, j'exprime les coordonnées de la matrice dans la base canonique. On me demande la matrice dans la nouvelle base. Alors, je vais l'appeler V', cette matrice, même s'il n'y a pas de prime dans ma base. Et je vais dire ça va être le produit de la matrice de passage de la base dans laquelle je veux exprimer ce vecteur, donc E ronde vers la base canonique C, multiplié par le vecteur V, puisque ça c'est la matrice dans la base E ronde et ça c'est la matrice dans la base canonique. Donc par conséquent, le vecteur V' il va se calculer simplement en considérant cette matrice de passage, donc 1 tiers multiplié par 2 moins 1, 1, 1, que l'on multiplie par les coordonnées ici de mon vecteur, 3, moins 2. Donc, si on effectue le produit matriciel, donc on va récupérer cette ligne multipliée par cette colonne, donc ici 6, moins 2, vers 4, cette ligne multipliée par cette colonne, moins 3, moins 2, ça va faire moins 5. Donc ça me permet de dire que les coordonnées de V dans la nouvelle base
sont, donc mon vecteur V va s'exprimer dans la nouvelle base par 4 tiers multiplié par le vecteur epsilon 1 moins 5 tiers multiplié par le vecteur epsilon 2. Alors que dans la base canonique, le vecteur V il s'exprimait comme moins E1 plus 2E2. Vous pouvez vérifier. Donc voilà les formules de changement de base, voilà comment elles se mettent en place, voilà comment elles s'utilisent. L'exercice numéro 13 a un énoncé semblable au précédent, puisqu'on travaille avec l'endomorphisme canoniquement associé à la même matrice, mais on voit que l'exercice va être découpé différemment. Au lieu de donner la matrice dans une base qu'on a fixée de façon complètement arbitraire, on va déterminer la base de l'application linéaire A dans une base où les vecteurs sont choisis dans des sous-espaces vectoriels particuliers, le noyau de A moins identité de R2 et le noyau de A moins 3 identités de R2. Donc on va déjà déterminer les bases de ces différents noyaux et après on verra ce que donne la matrice, comment calculer la matrice dans cette nouvelle base. Il va y avoir un raisonnement un peu différent ici. Alors, plusieurs façons de faire. Soit vous raisonnez tout matriciellement, soit vous raisonnez avec les applications linéaires. Et je vais faire les deux. Je vais faire celui-là en raisonnant avec les applications linéaires et celui-là en raisonnant complètement matriciellement. Vous allez voir la différence entre les deux. Pour pouvoir raisonner avec l'application linéaire, il faut qu'on ait déjà notre application linéaire. Donc il faut qu'on soit capable de définir notre application qui a un couple XY de R2 associe un autre couple. Alors la question c'est comment déterminer cet autre couple. On a vu qu'on l'obtenait tout simplement en multipliant la matrice A par la matrice colonne XY, ce qui va nous donner donc une autre matrice colonne, la matrice 2X plus Y, virgule X plus 2Y. Ce qui permet de dire que l'application petit a, c'est l'application qui a XY associe X, pardon, 2X plus Y, virgule X plus 2Y. Donc évidemment, on peut facilement faire le lien entre la matrice qui représente cette application linéaire dans la base canonique et l'application qui est définie analytiquement, c'est-à-dire avec ses coordonnées. Par conséquent, prendre un vecteur qui est dans le noyau de A moins identité. Donc on va constater que le vecteur XY appartient au noyau de A moins identité de R2. Ça, c'est équivalent à quoi ? C'est équivalent à dire que A de XY est égal au vecteur XY, puisque A de XY moins XY est égal à 0. Du coup, on va récupérer un système de deux équations à deux inconnues. 2X plus Y est égal à X, ça c'est l'égalité des premières coordonnées. X plus 2Y est égal à Y, l'égalité des deuxièmes coordonnées. On va résoudre ce système-là. Ce système-là est un système, donc on a dit, de deux équations à deux inconnues. Et on s'aperçoit quand même assez rapidement que les deux équations sont proportionnelles. Et donc qu'on a une inconnue principale X, une inconnue secondaire Y. Et que par conséquent, le noyau de A moins identité de R2 est effectivement une droite vectorielle. C'est l'ensemble des couples XY qui vérifie cette contrainte-là. Donc écrit en description, c'est l'ensemble des couples moins Y, où Y appartient à R. C'est donc l'espace vectoriel engendré par le vecteur, alors l'énoncé nous demande de l'appeler V1, où V1 c'est le vecteur de coordonnées moins 1, 1. Donc là on est habitué à récupérer, une fois qu'on a résolu le système, une famille génératrice et une base, donc puisque cette famille génératrice comportant un seul vecteur et ce vecteur n'étant pas nul, c'est une base. Donc là, j'ai remonté à l'application linéaire. Alors, on peut voir que le passage à l'application linéaire est un passage qui n'est pas forcément utile, dans le sens où, si j'utilise des notations matricielles, qu'est-ce que ça veut dire que X appartient au noyau de A moins 3 identité de R2 ? Que je peux écrire, puisqu'il s'agit des applications linéaires canoniquement associées, le noyau des matrices de 3 moins I2. Puisqu'on a vu que le noyau d'une matrice, c'est l'application le noyau de l'application linéaire qui lui est canoniquement associé. Donc je peux observer des notations qui sont purement matricielles, puisque par définition, ces deux ensembles sont les mêmes.
Mais les notations matricielles vont donner quoi? Donc si le vecteur x, évidemment, c'est un vecteur qui désigne un vecteur de R2, matriciellement un vecteur de R2, c'est un vecteur colonne de ce type-là. Donc je peux dire que le vecteur grand X appartient au noyau de A moins 3 I2, à la condition nécessaire et suffisante, que le produit matriciel A moins 3 I2 fois X, qui est en fait l'image par A moins 3 identités de R2 du vecteur X, soit égal à 0. 0 ici, c'est la matrice colonne 0. Donc si on développe cette expression, on va récupérer A multiplié par X va être égal à 3 fois la matrice identité fois X, à 3 fois la matrice X. Donc on récupère AX est égal à 3X. Le produit matriciel AX donne pour la première composante 2X plus Y, pour la deuxième composante X plus 2Y. Et le vecteur 3X s'écrit 3X, 3Y. Cette égalité matricielle nous fournit un système de deux équations à deux inconnues. La première équation, c'est moins x plus y est égal à 0. La deuxième équation, c'est x moins y est égal à 0. On constate que ces deux équations sont identiques. Elles sont juste égales à la multiplication par moins 1 près et sont donc équivalentes à écrire que x est égal à y. On peut donc écrire que le noyau de petit a moins 3 identités de R2, le noyau qu'on recherche, c'est donc l'ensemble des vecteurs x, y qui vérifient cette contrainte-là. Donc c'est l'ensemble des y, y, où y appartient à R. C'est donc l'espace vectoriel engendré par le vecteur V2, où le vecteur V2 a comme coordonnées moins 1, 1. Moins 1, 1. 1, 1, pardon. Parce que là, quand vous factorisez y, vous récupérez le vecteur 1, 1. Moralité. On vient de trouver une base du noyau de V moins identité sans être passé par cette application en conservant des notations matricielles de A à Z. Il n'y a que pour la conclusion où on revient à des notations dans R2 puisqu'on me demande de déterminer un sous-espace vectoriel de R2. Et on voit qu'on peut tout mener matriciellement. Alors on arrive à la question qui nous intéresse maintenant, c'est de prendre la famille de vecteurs qui est constituée du vecteur V1, V2. Je vous rappelle que V1, on a obtenu le vecteur de coordonnées, je ne me rappelle plus, c'était moins 1, 1, et le vecteur V2, c'était le vecteur de coordonnées 1, 1. Donc on nous demande de justifier que B est une base de R2, puis de déterminer la matrice de l'application petit a dans cette base. Alors, vous vous rappelez la fois d'après, quand on avait répondu à cette question, on avait justifié que c'était une base, puis fait le changement de base pour récupérer la dite matrice. C'était la matrice qui était ici. Et bien, ici, on ne va pas procéder de la même manière. Pourquoi? Parce que là, les vecteurs dans l'exercice précédent, ils étaient complètement parachutés. Là, les vecteurs ne sont absolument pas parachutés. Puisque le vecteur V1, on ne l'a pas choisi dans n'importe quel sous-espace vectoriel, on l'a choisi dans le noyau de A moins identité, et le vecteur V2, on l'a choisi dans le noyau de A moins 3 identités de R2. Donc ça veut dire que ces deux vecteurs-là vérifient des propriétés particulières qu'on devra exploiter. Alors déjà, pour justifier que c'est une base, ça je vais le faire oralement, c'est une base parce que j'ai deux vecteurs dans un espace de dimension 2 qui sont non proportionnels, donc ils forment une famille libre. On a une famille libre à deux vecteurs dans un espace vectoriel de dimension 2, on sait bien que c'est une base de R2. Maintenant, pour calculer la matrice de l'application petit a dans la base B, eh bien là, je ne vais pas faire de changement de base avec des matrices de passage. Pourquoi? Parce que ce que je dois calculer, c'est la décomposition de A de V2, A de V1, A de V2 dans la base V1, V2. Mais les vecteurs qu'on a pris ici, on ne les a pas pris n'importe où. On les a pris dans ces noyaux. Or, le noyau de A moins l'identité de R2, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont invariants. Un vecteur qui est pris dans cet ensemble-là vérifie A moins identité de V1 est égal à 0, donc A de V1 est égal à V1. Et un vecteur qui est pris dans cet espace vectoriel-là vérifie A de V2 moins 3 identités de V2, donc A de V2 moins 3 V2 est égal à 0, donc A de V2 est égal à 3 V2.
on n'a pas besoin de changement de base ici pour récupérer cette matrice, puisqu'on voit bien que là, on a les coordonnées de AD V1 dans la base V1, V2, et là, on a les coordonnées de AD V2 dans la base V1, V2. Donc, on récupère directement, sans l'ombre d'un calcul de changement de base, la matrice que je vais appeler A' de A dans la base B. Donc là, pas de changement de base. Alors, la question qui est naturelle, c'est, mais dans ce cas particulier, est-ce que le changement de base, il est quand même intéressant ? Oui. Oui, il est intéressant. Alors, pourquoi ? Nous, on a vu que la matrice de notre application linéaire, là, dans la base canonique, c'est une matrice qui n'est pas immensément sympathique. En tout cas, elle est moins sympathique que la matrice qui est là, qui est diagonale. Et vous voyez, par exemple, l'exercice qui consisterait à calculer les puissances de A, A puissance N, par exemple, eh bien, c'est un exercice qu'on peut mener assez facilement en effectuant un changement de base. Pourquoi ? Parce que la matrice A' à la puissance N, par propriété sur les matrices diagonales, c'est une matrice qui est très très simple. A' à la puissance N, elle s'écrit comme ceci, et ceci pour tout entier naturel, bon, y compris nul d'ailleurs, puisque 3 à la puissance 0, ça fait 1. Donc on a les puissances qui s'écrivent sous cette forme-là. Donc là, dans la base, les calculs dans la base sont très très simples. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est récupérer l'expression de A puissance N en fonction de A' à la puissance N, en effectuant notre changement de base. Je m'explique. La matrice A, c'est le produit d'une matrice de passage fois la matrice A' multipliée par une autre matrice de passage. Alors, quelle matrice de passage ? Alors moi, je vais déjà m'intéresser, avant de lui donner le nom de P, à savoir quelle matrice de passage je maîtrise bien. Moi, la matrice de passage que je maîtrise bien, c'est la matrice de passage de la base canonique vers la base B, puisque cette matrice, je l'obtiens en écrivant les coordonnées des vecteurs de la base B en fonction des vecteurs de la base canonique. Ça, on maîtrise bien, puisque les vecteurs V1, V2 sont justement exprimés dans la base canonique. Donc là, on va récupérer moins 1, 1, 1, 1. Donc, cette matrice-là, on la connaît bien. Donc, si j'ai un choix à faire pour la matrice P, je vais lui donner ce nom-là. Et je vais constater que la matrice A, ici, comme c'est la matrice de passage, alors attention, ça c'est exprimé dans la base B. Donc là, on va aller de B vers C. Ça, c'est la matrice dans la base C. Donc on va aller de C vers B. Donc l'expression que je peux écrire, je peux l'écrire en disant c'est P fois A' fois P-1. Puisqu'une fois que j'ai donné ce nom-là à la matrice de passage, l'autre, on sait que c'est l'inverse. Là, on va utiliser une idée qu'on a déjà utilisée pas mal dans les exercices, notamment dans un DS, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est que quand on calculait donc du coup A à la puissance N, on récupère donc du P A' fois P-1 multiplié par P A' fois P-1, etc. multiplié par P A' fois P-1. Quand j'enlève les parenthèses par associativité du produit matriciel et que je les remets sur les P-1P, on va voir qu'il va y avoir simplement des identités qui vont s'intercaler entre le produit des matrices. Donc ce qu'on va récupérer en fait, c'est P A' à la puissance N fois la matrice P-1. Or la matrice A' à la puissance N, je la connais, et la matrice P, je la connais. Donc là, on va récupérer moins 1, 1, 1, 1, ça c'est la matrice P, multiplié par la matrice A' à la puissance N, je récupère cette matrice-là. Et pour calculer l'inverse de la matrice P, ben là on peut utiliser la formule qui nous donne assez facilement le calcul de l'inverse. On calcule le déterminant, donc moins 1, moins 1, moins 2. Donc le déterminant c'est moins 2. Donc on peut directement écrire la matrice P-1. C'est donc moins 1/2 multiplié par la matrice où je permute A et B. Et je change le signe des termes qui sont anti-diagonaux. Donc là, je vais récupérer, multiplié par moins 1/2 fois cette matrice-là. Alors, je sais que le coefficient moins 1/2, je le place où je veux, parce qu'il n'est pas élevé à une puissance. Je peux donc le passer devant, si je veux, les scalaires, je peux les mettre sans problème à n'importe quel endroit du produit matriciel. Et bien, si je calcule ce produit matriciel, je vais récupérer l'expression de A à la puissance N. Alors je dispose le produit matriciel correctement pour le faire. Donc le premier produit matriciel va me donner
moins 1 ici, 1 ici, et ici ça va me donner 3 à la puissance n, 3 à la puissance n, puis on refait le produit matriciel, donc ici ça va me donner moins 1, moins 3 à la puissance n, ici ça va me donner 1, moins 3 à la puissance n, 1, moins 3 à la puissance n, et enfin moins 1, moins 3 à la puissance n. Donc voilà ce qu'on récupère quand on effectue les multiplications matricielles. Donc ça, c'est la matrice A à la puissance n. Mais regardez, regardez ce qu'on a obtenu avec cette puissance. A à la puissance n, c'est la matrice dans la base canonique de A à la puissance n. Avec les opérations qui relient la composition et le produit matriciel, ceci, c'est la matrice de l'application linéaire A puissance n. Donc la matrice qui est là, c'est la matrice dans la base canonique de l'application A puissance n. Si on me demande l'expression analytique de l'application A itérée n fois, je viens de la calculer avec un calcul minimal, puisque pour obtenir l'expression, il suffit que je multiplie cette matrice par le vecteur xy. Et là, je vais avoir les coordonnées de mon vecteur à n de x et y. Donc je vais récupérer tout calcul fait. Donc cette ligne multipliée par cette colonne qui va me donner la première composante, donc moins 1, moins 3 à la puissance n fois x, plus 1, moins 3 à la puissance n y, voilà la première coordonnée. Et la deuxième coordonnée, je l'obtiens en multipliant cette ligne par cette colonne, 1, moins 3 à la puissance x, plus moins 1, moins 3 à la puissance n y. Voilà l'expression analytique de A puissance n. On l'a fait en effectuant ce changement de base. Donc le changement de base, on l'a effectivement effectué, mais pour faire d'autres calculs qu'exprimer la matrice de A dans la base B, quand on connaît la provenance des vecteurs, c'est-à-dire que quand ils sont issus d'une construction géométrique. Dans ce cas-là, il n'y a absolument pas de changement de base, il suffit de regarder d'où proviennent les vecteurs pour voir si on ne peut pas calculer directement leur image exprimée dans la base dans laquelle on cherche à l'exprimer. Donc attention, vous avez vu que dans l'exercice 12 et l'exercice 13, c'est pas le même contexte. Dans l'exercice 12, je vous balance tout simplement une formule. Et dans l'exercice numéro 13, on construit des vecteurs qui sont issus de sous-espaces vectoriels particuliers. Ici, les vecteurs invariants. Et ici, les vecteurs qui sont transformés en trois fois leur valeur.